Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour une nouvelle vidéo courrier, swap, tout ça. J'ai reçu plein de choses, vous m'avez envoyé plein de choses sur la boîte postale, tout plein, c'est trop cool. Et j'ai également un colis, donc le colis il est ouvert mais j'ai pas regardé à l'intérieur, j'ai juste ouvert pour pas perdre de temps. Le colis, je sais qu'il est de Daphné, une des Valkyries, une de mes modératrices. Donc c'est un swap, j'ai hâte de découvrir ça. On commence par le courrier. La dernière fois je l'avais ouvert avant, là je l'ai gardé, je ne l'ai pas ouvert du tout. Donc on va ouvrir ça. Je ne vais pas forcément vous lire les lettres parce que c'est un peu personnel. Moi personnellement j'aimerais pas forcément qu'on lise ma lettre. Mais je vais vous montrer les éventuels dessins. Alors, petit courrier. Ah. Alors. Tintin, je lirai mon courrier après. Je vous montre ce qui accompagne le courrier. Donc ça, c'est d'Hélène. Ah, je suis trop fan. Ah, un trodon. Non, pas un trodon. Pas le trodon. Ah, j'adore. J'adore. Merci beaucoup. Beaucoup. Mais c'est tellement ça. Ah, merci. Un gros merci. Ça me fait beaucoup rire. Beaucoup. Ça marche du tonnerre. Je lirai les lettres après, puisque c'est plus personnel, les lettres, je trouve. Je vous montre juste les éventuels dessins. Ok, donc là, c'est Mathieu. Alors, c'est épais. Hein. Waouh, il y en a qui ont beaucoup bossé. Hein. Donc ça, c'est le courrier que je vais lire après. Et là, on a l'air d'avoir plein de dessins avec... Alors, ah, oh, c'est Tira. Oh, il a fait Tira. Regardez, c'est Mimi. Oh, merci Mathieu. Ah, il a fait Tira, petite Tira. Notre mascotte. Et un Ptera. Je vais essayer de pas le tuer, ce Ptera-là. On va essayer de pas le tuer. Il est très beau, ton Ptera. Vraiment très joli. Merci beaucoup. Hop, je mets tout sur le côté au fur et à mesure qu'on ait de la place pour le swap. Tadam. On va voir les grandes enveloppes après. Hop. Hop là. Oh, Team Gerbois Kiki Popoy. C'est un gerbois licorne. Oh, c'est terrible. Un gerbois licorne. Excellent. Alors... Mouche préhistorique, titanoboa, dodo, œuf de dodo. Ceci est un oviraptor. Excellent. Oh, ça a l'air de mieux marcher que la dernière fois cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être mis mon spot différemment. C'est terrible. J'aime vraiment beaucoup. Alors, je ne sais pas de qui c'est. Et... Ah, si. Il y a un petit mot. Tout petit mot. Petit mot de Zoé. Ouais, j'ai un petit mot avec... Voilà, hop, que je lirai après. J'ai cru qu'il n'y avait pas de mots. Voilà. Oh, c'est trop rigolo. La chaîne alimentaire avec les œufs de dodo. C'est terrible. Ok, on passe aux grandes enveloppes. Alors, Cabioche. Voyons voir ce que tu as envoyé. J'espère que je dis bien les mots. Hein. Excusez-moi d'avance. J'ai toujours le nez bouché, je suis toujours malade, là ça se voit, là j'ai les lèvres toutes brûlées, attends, ils m'ont mouché. Oh, comment elle est bien faite! Oh là là! Donc il remercie Akoris pour Tira et son boulot. Regardez Tira, comment elle est bien faite! Elle est super bien faite. Ah, oh, c'est Cœur de Gaming, coucou Miss, qui est beaucoup sur le Discord. Oh, il est beau! Oh là là, t'es trop douée! Il est magnifique! Oh là là, un bébé griffon. Oh, il est trop beau, ton bébé griffon. Avec ses grands yeux kawaii, il est magnifique. Bravo, Miss. Hein. Il est vraiment très beau. Et franchement, je pense que j'ai une réputation au niveau des trendons. Donc ça, je pense que c'est moi qui suis en train de dormir et je cauchemarde. Le trodon. Oh, non, pas ça. Non, pas le trodon. Ah, c'est génial. Ok. Oh, une illustration de niche. C'est ma première illustration de niche parce que mine de rien, vous m'envoyez plein d'illustrations de arc, mais je ne fais pas que du arc. Et première illustration de niche. Je vois pas trop le retour. J'espère que vous l'avez bien.
Oh là là, c'est génial. Oh, t'es super douée. Ah, moi, je suis amoureuse de ton bébé griffon. Il est magnifique. Bravo, bravo. Hein. Vraiment, merci beaucoup, Miss. Très, très, très douée. Et là, on a une belle lettre. Alors là, celle-là. Belle, belle lettre. Bien protégée. Parce que nous connaissons tous la poste. Il ne faut pas oublier que quand vous envoyez sur ma boîte postale, ça va à la boîte postale en France et ça revient ensuite en Belgique. Donc, ça prend du temps. Et effectivement, ça peut avoir des dégâts, hein, parce que ça reste la poste. Oh là là, ça a l'air magnifique ici encore. Oh, ça a l'air magnifique ici encore. Qui c'est? C'est... J'ai du mal à lire la première lettre, excuse-moi. Kongtang, Tongtang. Excuse-moi, je suis vraiment désolée si j'ai mal lu. Alors, attends, en tout cas, tu l'as super bien protégé. Alors, avant que je montre ça, parce que c'est vraiment... Donc, c'est Tanguy. Comme ça, c'est plus simple. Déjà, je montre quand même ton courrier, parce qu'il y a des petits dessins partout autour. Il y a même un sim, là. Donc, je montre quand même, je lirai après. Et, oh, c'est ma maison! C'est ma maison! Il t'a même fait... Oh là là! C'est ma maison sur Arxo, c'est ma partie maison. Attendez, je pousse le micro pour mieux me mettre. Voilà, c'est ma partie maison, avec le Quetzal. On voit même la serre ici. Et les bestioles qui traînent partout avec la flotte en bas. Oh là là, c'est excellent. C'est excellent. C'est ma base sur Arxo. Oh là là, excellent. Mais vous êtes géniaux. Vous êtes super doués. Hein. Vraiment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un grand, grand merci. Oh, un peu. On va poser les lettres. Je me dépêche un peu parce que sinon la vidéo va être très très longue. Et donc le but du jeu c'est de montrer tout le monde sans que ça prenne des heures. Parce que je sais qu'il y en a, ça va les gonfler si c'est trop long. C'est assez normal. Donc je passe au swap de Daphné. Je les ai reçus depuis un moment, j'ai pas eu le temps de le faire. Parce que bien évidemment, bah, je voulais l'enregistrer bien, calmement, etc. Hop, alors. Alors, donc ça doit être ce qu'il faut... Dans quel ordre il faut ouvrir tout ça? C'est joli, c'est rose, c'est beau, c'est tout rose. Je vais être encore trop gâtée. Je le sais que je vais être encore trop gâtée. Donc, petit hop, hop. Oh, c'est génial. Franchement, vous faites ça trop bien. Oh là là, mais où c'est que t'as trouvé ça? Une carte postale dinosaure. Mais où est-ce que t'as réussi à trouver ça, quoi? Sérieusement? Ah là là, unboxing, c'est parti. Alors, je vous lis pas son petit mot, hein, c'est personnel. On va lire l'unboxing. Alors, numéro 1. J'ai usé de quelques stratagèmes pour, espérons, ne pas me tromper. Indice, c'est quoi ta taille chez Spreadshirt? Non, ça va être un vêtement. Ça va être un vêtement donc de Spreadshirt. Merci Logan, trop aimable de t'être... caché dans le carton, couché dans le carton. Ah oui, alors on a un petit accro là. Et donc ça c'est son chat. Parce que j'ai un Logan, mais elle a un Logan aussi en chat, Daphné. Daphné, donc Valkyrie, hein, j'ai dit, la modératrice que vous connaissez. Hop. Tadam. Ah, un t-shirt. Ah, excellent. Chamorex. Ah, excellent. Je vais pouvoir enregistrer des vidéos avec ça. C'est dommage que l'hiver arrive parce qu'il fait assez froid ici. Mais il est terrible. Tiamolex. Ah merci, il est trop rigolo. Il est terrible. Excellent. Ok. Donc un t-shirt. Alors, numéro 2. Pour l'auteur que tu es. Ça va sûrement être un livre. Numéro 2. Il est beau tout. Ah, oh, c'est un carnet. Ah, oh, il est extraordinaire. Alors. Daphné le sait pas, parce que je pense pas qu'on en ait discuté, même si on discute beaucoup sur le Discord. J'ai des carnets partout. Partout, partout, partout. J'ai des carnets partout. Chaque roman ou idée d'histoire a son carnet. Et j'en ai des idées d'histoire que j'ai même pas écrites. J'ai des carnets, plus les carnets. Alors ça, c'est par exemple, rien que sur mon bureau. Ça, par exemple, c'est le carnet où je mets les noms pour Arxo, et Iso aussi maintenant. Ça, c'est un carnet, bon, pour le coup, c'est plutôt un cahier. Pour le jeu de rôle que je fais en ce moment le week-end avec des potes. Là, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Mais si je vais dans d'autres endroits de la maison, il va y en avoir plein. Et donc là, c'est un carnet direct. Oh, oh là là.
Mais c'est extraordinaire, regardez! Oh là là, c'est génial! Trop GG! Oh, oh là là, et ben celui-là, il va me servir pour marquer mes idées de vidéo, tiens. Ça, j'en avais pris un tout petit pour faire ça, j'ai un tout petit carnet quelque part où j'ai commencé à noter des idées. Mais j'en ai tout, j'ai tout, par exemple, j'ai celui-là, bah j'aime bien que j'en avais d'autres. J'ai celui-là, où ma fille en plus a un petit peu gargouillé dessus. Celui-là, c'était pour les poussins, par exemple. Je note tout partout, parce que j'ai pas de tête. Quand on n'a pas de tête, on a des carnets. Et donc, ça va être mes idées vidéo. Ça va être toutes mes idées, tous les trucs que vous me dites, auxquels je réponds pas forcément, mais que je relis. Et ça va me servir, voilà, on a le temps, on a le temps pour toutes les idées futures, etc. Oh, il est trop terrible. Voilà, hop, sur la pile de carnets. Ok, 3. Une petite imitation au monde du Jurassic Park pour la mini-toi. Une petite initiation, pardon. Oh, ça, ça va être pour Cocotte. Oui, ma fille, je l'appelle Cocotte. Donc, pour... ça, c'est pour Evie. Ah oh, terrible. Terrible. Les monsieur, madame et les dinosaures. Ah, ils sont terribles. Justement, on regardait ces petits livres la dernière fois avec mon homme aux courses parce qu'on se disait que selon on allait pouvoir commencer à lui prendre à un moment donné. Parce que mon homme aime bien les monsieur, madame. Et là, du coup, c'est avec les dinosaures. Ah, ça va être génial. Je vais pouvoir commencer à lui lire ça. C'est excellent. Merci beaucoup. C'est bien, oui, je suis peut-être allée gâter aussi. Comme ça, il n'y a pas que moi qui suis gâtée. Alors, numéro 4. Oh, il y en a 6. Parce qu'ils sont kiki ou qu'ils représentent un joli... clin d'œil, c'est pas ma faute. À coller partout et sans modération. Alors, des trucs kiki à coller partout. Attention. Tadam. Ah, vous voyez mieux que moi, moi je suis de l'autre côté. Hein? Ah, il faut encore ouvrir, je veux les voir. Alors. Oh là là, ils sont trop beaux. Oh, c'est des autocollants de dinosaures. Mais ils sont trop beaux. Alors un triceratops qui se fait griller des vaches pas l'eau. Sérieusement. Oh, c'est excellent. Oh là là, comment elle est kawaii. Oh, trop kawaii. Alors beaucoup plus classique, forcément. Je crois qu'il va aller sur mon PC portable celui-là. Parce que sur mon téléphone, non. Sur mon téléphone, j'ai pas la place. Génial, excellent. Oh là là, comment il est beau. Waouh, excellent. Et les Valkyries ne pleurent pas. Pleurer, hein, c'est pas... Je sais plus si c'est pleurer ou crier, là. J'ai vraiment un anglais très mauvais. Les Valkyries, c'est parce qu'on commence à s'appeler les Valkyries avec les filles. Ah, c'est terrible. Ah là 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 là, c'est trop beau. Ah, franchement, ils sont magnifiques. À coller partout sans modération, c'est clair. Oh, je vais en mettre partout. Oh là là, c'est trop mignon. T'as bon goût, Daphné. Alors, 5. Une pensée pour tous les petits yeux devant la vidéo. Un petit concours, ça vous dit? Ah, ça c'est pour vous. Le fait main, prenons du temps, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je suis désolée. Alors, numéro 5, c'est celui-là. Donc, Daphné vous a fait du fait main pour un petit concours. Alors, après Akoris qui vous avait fait des porte-clés, on va avoir du fait main de la part de Daphné. Franchement, elle est gentille. Hein. Elles sont trop gentilles, mes modos. Hop. Hop. Que je vous les abîme pas, quand même, que vous puissiez les recevoir. Ah ouais, j'en avais reçu un aussi, elle m'en avait envoyé un. Parce que j'allais dire, ouais, mais moi, j'en ai pas. Si, si, j'en ai un. J'en ai un. C'est un petit dinosaure en pâte Fimo. Et donc, le haut est phospho. Là en haut, vous avez, vous allez voir, ça va s'éclairer dans le noir. Ils sont trop kiki, ces petits dinosaures. Ils sont vraiment trop kiki. Hop, et en rose. On a trois couleurs. Trois petits dinosaures tout kiki. Hop là. Et bah, si c'est pas mignon... Franchement. Donc là, je sais pas trop si je vous le mets en concours maintenant ou si je vous fais une vidéo à part, mais c'est vrai que faire une vidéo à part, j'ai déjà beaucoup, j'ai d'autres concours à vous faire qui arrivent. Donc, c'est pas simple de faire à chaque fois plein de vidéos pour ça. je pense que je vais vous le mettre le concours directement maintenant. Donc, je le redirai à la fin.
Donc si vous voulez gagner un de ces petits dinosaures trop kiki mignons, c'est encore, vous pouvez encore les accrocher en porte-clés ou les mettre en décoration, le mien avec toutes mes pop et tout ça là-bas. Eh bien, vous me mettez en commentaire, je participe au concours de Daphné. Et bah, pour elle, vous la remerciez ou vous lui dites pourquoi vous voulez gagner un de ces petits dinosaures, puisqu'après tout, c'est elle qui les a faits. Comme ça, elle aura un petit message, comme je sais qu'il n'y a pas à ce qu'elle lit, hein, les modératrices. Elle aura aussi un petit message, un petit quelque chose. Donc voilà, je participe au concours de Daphné. Vous dites pourquoi, vous lui parlez un petit peu de ces petits popoy dinosaures. Et résultat, comme d'habitude, on va dire résultat une semaine après sur Twitter et en premier commentaire de cette vidéo comme je fais d'habitude. Hop, voilà, ils sont vraiment, vraiment terribles. Eh ben elle vous gâte, hein. Elle est gentille. Hop, et donc le dernier. Tadam. Nessendil, gourmandise. Ça me rimerait presque, non? Finissons sur une note sucrée. Ah ah, c'est pas bon pour mon régime, ça. Alors... ça a l'air gros en plus. Excellent. Oh, des dinosaures, vous savez les petits biscuits, les dinosaures. Eh ben ma fille elle les aime beaucoup. Je les aime, mais ma fille les aime beaucoup aussi ceux-là. Merci beaucoup, merci Daphné, super petit clin d'œil. Ça aurait été la swap spécial dinosaure. Ah là on est à fond dans la swap spécial dinosaure. Oh, je suis trop gâtée. C'est génial, il y en a partout, il y en a plein le bureau. On va enlever le carton. Je suis trop gâtée. Je suis super contente. Un énorme merci Daphné. Un énorme merci. Plein de boujoux. Un énorme merci à tous pour vos dessins. Ils sont magnifiques. Merci. Et bah voilà, hein, moi je vous dis à bientôt. On va finir avec, on remontre un petit peu tout ça. Donc n'oubliez pas les petits dinosaures à gagner. Je participe au concours de Daphné. Et pourquoi vous voulez gagner un de ces petits dinosaures en la remerciant? Bien évidemment, il y en a aussi un bleu. Ils sont tout choupi kawaii. Et moi je vous fais des gros boujoux. N'oubliez pas Twitter pour voir le résultat. Donc cette vidéo-là devrait être postée mercredi. Donc mercredi prochain, je mets sur Twitter les trois gagnants. Et je remettrai en premier commentaire sous cette vidéo également les trois gagnants. Voilà, les petits popoy. Je vous dis à bientôt. Je vous dis plein de boujoux. Merci pour les dessins. Merci encore pour les cadeaux. La boîte postale est sous la vidéo et dans à propos de la chaîne. N'oubliez pas de vous en servir. Allez, faites pour ça. Même si c'est juste un petit mot, ça fait toujours énormément plaisir. Et moi, je vous fais des boujoux. Je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. Your eyes, imagine you could see everybody else's dream, what a comfort it would be.